Que le Seigneur puisse nous soutenir. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et après cela, nous allons aussi chanter le cantique de victoire. À la croix au pied du maître. Au pied du maître, au thé, on l'a cité là. Nous allons chanter ce cantique. Seulement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus.
Pétro, il y a mon canard à Pétro et à Mille.
mibale okapo na ngo ya liboso 2 Pierre 1 Petelo mukana Petelo ya mibale okapo na ngo ya liboso Jean. Lisons les versets à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieuse promesse. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts à joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Le verset 8. Si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur est sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordé. Prenons Zacharie chapitre 3. La fois passée, j'avais dit Josué chapitre 3, ce n'était pas Josué, c'était Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, le verset 9. Zacharie, mokapunango, yamisato, molongo, na lipo. Je lis au nom de Jésus. Azota, na komo na Jésus Christ. Car voici. Tala, sikoyo. Pouete, tala. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Nous prenons Tite chapitre 2.
verset premier. Molongo pe ya liboso. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nazotanga na kombo na Yesu Kristo. Le verset premier. Molongo ya mibale. Jusqu'au verset 2. Ah, molongo ya liboso kino molongo ya mibale. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Pour na yo, loba makambo oyo elongo bani na liteya ya peto. Dis que le vieillard doit être sobre. Loba ete bapaka esengeli bazala na bopolo. Honnête. Bazala peta sembo. Modéré. Bazala bakia kimia. Saint dans la foi. Bazala peta basantu na kati na bondima. Dans la charité, na kati na bolingo ya nzambe, et dans la patience. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à ses écritures. Nous répétons encore que le véritable enseignant de notre alliance, c'est Jésus-Christ. Nous tous nous apprenons de lui. Et sans lui, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi il faut aimer toujours que le Seigneur soit ton enseignant. Parce que si lui te montre la voie, tu arriveras à la bonne destination. David avait dit au Seigneur, David a l'obéi dans le livre des psaumes, je crois 139, le verset 24. Il dit, regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et ramène-moi sur la voie de l'éternité. C'est le Seigneur qui peut nous ramener sur la voie de l'éternité. Et c'est lui Jésus-Christ. C'est pourquoi on vient de chanter au pied du Maître. Le pied du Maître, monté Molakisi. Parce que lui va nous apprendre comme des disciples. Afin que nous puissions arriver à la stature parfaite. Nous parvenions comme lui. Parce que si lui ne nous enseigne pas, frère, frère, c'est la perdition. C'est lui le véritable enseignant. Nous nous remettons à lui tous les jours. Paul disait que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Mais il mettait en garde le frère de ne pas recevoir cette grâce en vain. Il mettait en garde de ne pas recevoir la grâce en vain. Pour ne pas dire que c'est l'homme qui nous enseigne. Non. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors si tu reçois la parole que nous t'apportons ce soir, telle qu'elle est la parole de Dieu, alors le Seigneur sera avec toi. Aussi la vie de Dieu. Parce que les choses que nous prêchons ne sont pas des simples histoires. On ne prêche pas la parole pour se vanter. On ne prêche pas la parole par plaisir de prêcher. Mais on ne prêche, on la prêche parce que c'est une nécessité. Dans la parole, il y a la vie éternelle.
liloba ezali na bomo ya seko. Si tu reçois la parole, ce toi ya liloba, tu ne passeras pas comme la parole aussi éternelle. Okole kate po ete liloba oyo ezali seko na seko. La parole de Dieu, elle est éternelle. Liloba na Nzambe ezali penza seko na seko. Mais le monde est passager. Mokili eza na koleka. Dieu ne voulant pas que les hommes passent avec le monde. C'est pourquoi il t'a donné sa parole. C'est un grand don que le Seigneur t'a fait. C'est pourquoi on t'exhorte toujours d'être attentif. Nous sommes dans notre enseignement. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement sur les choses conformes à la sainte doctrine. On avait parlé des pains sans levain. On a parlé de la maison de Dieu. Et maintenant nous parlons sur la pierre à ses dieux. Amen. Amen. Je crois qu'on avait déjà introduit avec ça. On avait pris l'écriture du frère Pierre. L'écriture où il est en train de nous parler des choses à ajouter sur la foi. On avait dit que dans le monde il y a la corruption. Dans le monde, il y a la corruption. Il y a la mort. Mais seulement Jésus-Christ confie cette corruption-là. De la foi.
de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et s'il y a une nuance qu'on nous a donnée, on a parlé de la parole de Christ. Parce que il y a la parole aussi de la loi. Ou la parole de Moïse. Il y a aussi la parole de Christ qui est l'évangile. Mais la parole de la loi dans l'ancienne alliance n'a pas donné la foi. C'est pourquoi on tente de la loi. Les hommes étaient des incrédules. Amen. Les hommes étaient des incrédules. Ils abandonnaient l'Éternel à tout moment. Et Jacob.
Israël. On a appelé les étrangers. Jésus-Christ, qui était mort, il est
arrivé il y a constat ma casse point de cause pénissant amen. C'est pourquoi il est écrit c'est lui qui mettra ces choses en pratique. Pour être justifié devant Dieu.
Maître, que devrions-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? J'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair.
Si quelqu'un autre croit pouvoir se glorifier en la chair, donc ici il y avait des juifs qui se glorifiaient être circoncis. Mais lui aussi il est en train de dire que moi aussi je suis juif dans la chair. Si vous pouvez vous glorifier d'être juif dans la chair, postérité d'Abraham, sachez aussi que moi j'ai aussi ces droits. C'est ce qu'il est en train de dire. Je le prie bien davantage. Je le prie moi, circoncis le huitième jour. Nazali penda ya libota ya Israël. De la tribu de Benjamin. Na libota ya ba ya Benjamin. Hébreux né d'Hébreux. Nazali penda moebelo na botami moebelo. Quant à la loi, na oetali mobeko pharisien. Nazali penda pharisien. Vous voyez? Moni. Là il parle de son état avant Jésus-Christ. Wana avant la foi. Azota lisaloleke na yambo na kondimela. Quant au sel. Na oetali molende. En devenant conforme à lui dans sa mort,
kokana na liwana ye à lui. En devenant conforme à lui, dans sa mort, na liwana ye, pour parvenir, bona koleka na kokoma, si je puis, ce qui n'a boki, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez la foi? Non, il y a un point. Vous voyez la foi? Au moins il faut dire. Amen. Et nous enrichissons plusieurs.
Pierre pour chuter. Mon souci est que vous ayez des écritures. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Trop, trop dans les slogans. Mais en lisant les écritures, vous voyez autre chose. Les gens qui n'arrivent même pas à expliquer les petites choses. Vraiment, c'est honteux. Écoutez ceci. Il dit, Alobi, ici il faisait des reproches par rapport à ceux qui méprisaient les frères. Surtout les frères qui n'avaient pas assez de moyens. Il dit ceci. Le verset 2 de Jacques chapitre 2. Je lis au nom de Jésus. Il est supposé. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or. Sur la terre ici.
Bakumu, qui attendent que leur père meure. Oh, alors, tata, mama, et même dans les démocraties, dans les pays développés et consorts, il y a toujours des dictatures. Vous allez voir que les fils remplacent les pères. Ah, et ça peut être la dictature que moi, je suis la tata. Il est déjà plébiscité ou sollicité comme l'héritier de son père. Mais il en est fier. Mais toi, tel que tu es là, par la foi, la foi que tu as, un jour, tu vas hériter le royaume des cieux. Tu vas hériter le royaume de Dieu. Tu n'es pas une petite personne. C'est la manière de Dieu d'agir dans ces choses. Vous voyez Dieu, on va confondre les mondes. Il a choisi beaucoup de gens vils. Beaucoup de gens vils. Il leur a donné la foi. Pour que les puissants ne disent pas que c'est à cause de notre puissance, de notre fortune qu'on a la foi. Où vas-tu? Et je ne sais pas où je
Obangi Sabaï Pé. Ne m'intimidez pas. Obangi Sabaï Pé. Oh non, toi, yo, tu es notre fils. Ozali Mouana Nabiso. Tu ne dois épouser que la fille que nous allons choisir pour toi. Yo, Obaraka, moi, si moi, pas ici. Nous allons te chercher une très bonne femme. Même les catholiques, ça va. Parce que nous, nous sommes des conservateurs. Quelqu'un qui a la foi, directement, il change l'attitude. J'ai pas de mariage. Si tu démarres à conserver l'église, nous on va pas venir à ce mariage. Restez comme ça. Oh non, toi tu vois, on cherche pour toi un mari, il était venu ici pour t'épouser. Vos frères la traînent. Vos frères traînent. Nous allons marcher là. Vos frères traînent. Non, je ne vais pas l'épouser. Dans la doctrine que j'ai, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Azali mototé. Je ne vais pas l'épouser. Alors on va voir. Si quoi tu commandes, tu restes comme ça. Parce que ma foi est grande, je ne peux pas la comprendre. Je ne suis pas appelé à rétrograder dans la foi. Mais je suis appelé à affermir ma foi. Parce que nous allons tenir la foi. Diriger dans les offrandes.